Le stylo numérique Reader C-Pen s'utilise de façon autonome, sans être relié à l'ordinateur. Il suffit de passer ce stylo sur le texte imprimé comme ceci. Quelles sont les pendules qui indiquent la même heure? Le texte est instantanément reconnu, puis lu à haute voix, par une synthèse vocale de bonne qualité. Les textes manuscrits ne seront pas reconnus et lus par ce stylo. Le texte scanné apparaît sur le petit écran OLED du stylo et peut être écouté via le haut-parleur intégré au stylo ou via les écouteurs fournis. Le Reader C-Pen offre également les fonctionnalités suivantes. Dictionnaire de définition. En surlignant un mot, on voit apparaître sa définition. Pendule. Pendule. Pendule employée comme nom 1. Tout corps suspendu à un point fixe au silence ou l'effet de la pesanteur. 2. Ce système servant d'instrument de détection pour un radiesthésiste. 3. Balancier d'une horloge 4. Mouvement d'oscillation volontaire au nom de l'alpiniste ou du varapeur, employé comme nom 5. Petite horloge 6. Horloge à balancier pendulaire. Selon son choix, l'utilisateur peut en prendre connaissance par lui-même ou la faire lire par le stylo. Les langues disponibles dans ce dictionnaire de définition sont le français, l'anglais et l'espagnol. Le Reader C-Pen propose également une fonctionnalité de saisie et de sauvegarde des textes. De façon rapide, tout un texte peut être surligné, transcrit et sauvegardé au sein de ce stylo ou dans votre ordinateur. Il peut alors être relu d'un bloc par le stylo ou transféré sur un ordinateur pour d'autres usages. Le Reader C-Pen inclut également un enregistreur de notes vocales, utiliser ce stylo comme un enregistreur numérique pour prendre des notes et les écouter par la suite. Plusieurs paramètres sont proposés au sein de ce stylo. On peut choisir la langue des menus, la langue de lecture, lecture en français, en anglais et en allemand, la vitesse de lecture, le mode de lecture en continu ou à mot à mot, le volume de la voix. On peut également choisir la main utilisée, droitier ou gaucher, la luminosité et bloquer l'outil pour les examens.